Le hérisson. Texte écrit et lu par Cécile Belluard. Tranquille, calme et lent, le hérisson n'a de piquant que dans les sombres instants où il n'est question que de rester vivant. S'il ne peut être insouciant, c'est que sa vie n'est que tourment, frustration mêlée de ressentiments. L'existence n'a rien d'un amusement. Si ses dehors sont repoussants, plus morose est son tempérament. Mais ses apparences ne sont qu'un paravent au mal-être qui se fait criant. Allons donc, braves gens, sortez du rang et les yeux ouvrez grands. Car il n'est point question d'asseoir votre jugement, ni d'accroître votre désappointement. À sa façon, il est élégant. Malhabile, certes, très indépendant, mais il n'est prisonnier que de vos aveuglements, où vous l'y cantonnez sans souffrir de changement. Mais si vous l'écoutez, voyez que pourtant, son cœur n'a de battement que pour les sincères moments où l'esprit s'ouvre, va s'enrichissant des différences qui peu à peu vont s'effaçant. Au prix de la connaissance, de la patience et du temps, laissez donc chacun s'exprimer librement. Le monde n'appartient qu'à celui qui est tolérant. Voyez qu'apparence et immédiateté ne sont que mauvais fondements, puisque ce n'est qu'avec son cœur que l'on apprend et grandit vraiment.